c'était une passion après pour moi aussi. Et puis aller en mer et tout, bah c'est bien quoi. Je trouve ça. Je pense qu'il n'y a pas un autre métier que je pourrais faire. Pour la première fois à la pêche, je suis parti à 10 ans. Il faisait pas beau et tout. Et puis du coup, comme il n'y a pas beaucoup de place dans la passerelle, bah, j'étais dehors quoi. Et comme en plus j'étais malade, bah voilà. Bon après, c'est bien passé comme il y avait à pêcher et tout. J'ai été au collège jusqu'à ma troisième. Fait ma troisième et puis après, je suis venu en seconde ici. Seconde, première. Après la terminale, je pense que je vais aller sur un bateau côtier ou au large, au filet quoi, pour après prendre la suite de mon père. Cet été, j'embarque sur un filayeur au Diarn, juste pour l'été, pour faire 2 mois quoi, en tant que matelot. On part à 3 h du matin et souvent bah, là, on rentre à 4 h de l'après-midi. Et après à 4 h, bah, on va avec les copains à la plage quoi. Quand on commence déjà, quand on va sur les lieux de pêche, y a à tour de rôle, on dort quoi, on a un temps pour dormir. Et après, bah, qu'on arrive sur les lieux de pêche jusqu'à qu'on rentre au port, on n'arrête pas, on est tout le temps en train de travailler, quoi. À bord, c'est remonter le filet et mettre le filet à l'arrière, filer le filet, préparer les orins, les chaînes, étriper le poisson, laver le poisson, démailler le poisson, les araignées aussi, pareil. Et puis voilà, quoi. Faire en sorte que la journée se passe bien.